Alors aujourd'hui, petite balade dans une grotte. Bon, elle est pas très loin apparemment. Après, on ira voir le tour Saint-Jacques qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Je pense qu'on y arrive bientôt. Ça, je commence à être un peu plus étroit ici. On suit l'eau. Ok. Incroyable. C'est ça le lac. Waouh. Tout ça, c'est un lac. Ok. Ok. Parce qu'on est accroupi. Ok. C'est le fameux passage très étroit. Voilà. On est arrivé.
falloir déjà ramper. Ah non, il y a un petit trou. Ok, sympa. On va dans le petit trou. Ok, ça glisse un peu quand même. Ah, y a de l'eau. On pourra pas aller plus loin. Ah, c'est dommage. Donc, y a un petit lac. Oh, là, c'est un cul-de-sac. Et par là, y a quoi? Descente, mais on va pas y aller. Là, il y a l'ouverture, on la voit. Ah, puis ça descend. Ça a l'air de s'écraser en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tours. Je suis trompé. J'ai pas trouvé ce qu'il faut aller. Qu'on va pas se perdre dans les galeries. Ah, c'est une chauve-souris. C'est une chauve-souris. Elle est juste là. Bon bah du coup ma sortie en grotte s'arrête là. Du coup j'ai pas pu aller jusqu'à la salle Phytoja. La salle Phytoja, c'est là où il y a des stalactites et des stalagmites. Malheureusement impossible d'y aller si on n'est pas spéléologue confirmé. Elle a l'air assez grande donc risque de se perdre. Bon comme prévu je fais des tours Saint-Jacques.
Voilà. Vraiment balèze, hein. Essayer de voir si on peut pas en grapper une. Je crois pas. Essayer de grimper là-haut, là où il y a l'arbre, et voir s'il y a un accès. Ouais, c'est chaud. C'est par là pour voir. Un petit lézard. Pire qu'à lâcher.